Moi. Maintenant, monsieur, bonjour et bienvenue sur InstruMond. Un de ceux, c'est tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Nangs Reborn. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo. Elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Mais ce que vous allez entendre ici, franchement, va vous étonner. Moi-même, ça m'a étonné. Qu'est-ce que j'ai vu, franchement? Ce que j'ai vu et entendu là, ça m'a pas du tout plu. Ça m'a étonné. Et la plupart des personnes qui étaient présentes lors de cette cérémonie-là, c'était une cérémonie de remise de prix, la plupart des personnes qui étaient présentes là ont cru que c'était de la blague. Non. Bon, je suppose que ce sont les spectateurs qui ont cru que c'était de la blague. Sinon, ceux qui étaient là savaient clairement ce qui s'est passé. Mais que s'est-il passé en question? Que s'est-il réellement passé? Écoutez maintenant. Il y avait une cérémonie de remise de prix aux États-Unis. Et à cette cérémonie de remise de prix, il y a une actrice très connue même. Il suffit seulement que je dise le nom et vous saurez de qui il s'agit. Cette artiste très connue, dès qu'elle a entendu son nom et qu'elle venait de gagner un prix, elle a dit qu'elle a gagné un prix, elle était en joie. Elle s'est tout de suite rendue sur le podium, n'est-ce pas? Oui, pour prendre son prix. Et quand elle est arrivée là, elle a pris son prix, elle a soulevé un peu et elle a dit dans le micro: gloire à Satan. Carrément, elle a dit gloire à Satan, elle dit remercie Satan, elle dit je remercie Satan et toutes les entités qui travaillent avec lui. Carrément, comme ça, vous êtes étonné, non? Moi, mais j'étais plus étonné que vous. Elle dit gloire à Satan. Elle dit je remercie Satan et toutes les entités qui travaillent avec lui, c'est-à-dire les démons et toutes ces personnes-là même qui travaillent avec le diable pour qu'elle, elle ait du succès. Et c'est grâce à lui qu'elle a eu cette récompense. Et pendant qu'elle racontait toutes ces histoires, les gens riaient. Tous ceux qui se trouvaient dans cette salle-là ce jour-là, ils se sont tous mis à rire. Maintenant, il y avait une personne qui était là pour juste animer la cérémonie. Là. Cette personne est venue juste pour rigoler, lui a dit « Non, arrête, ça suffit, va-t'en maintenant, ça suffit. » Mais elle avait déjà craché le mot. Elle avait déjà raconté ce qu'elle avait dans le cœur. Quoi? Elle vient de recevoir un prix. C'est une artiste célèbre. Et comme vous la voyez, elle est très belle. Elle est plus belle que belle. Mais elle vient de recevoir un prix et elle dit gloire à Satan comme ça. Selon vous, mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est juste pour rigoler? Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est juste pour amuser la galerie ou bien faire le buzz? À ce niveau de la compétition là, on ne m'a pas dit qu'elle a besoin de faire le buzz puisqu'elle vient de recevoir un prix. Elle a prouvé qu'elle mérite ce prix, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah! Mais pourquoi dit-elle gloire? Pourquoi dit-elle merci à Satan? Et pourquoi elle remercie le diable et tous ses démons? Pourquoi selon vous? En tout cas, moi, ça m'a étonné. Il y a même un collègue youtubeur qui a été dépassé par cette affirmation. Il a fait une vidéo avec ses abonnés aussi. Et ce, nous allons essayer de lire. Je vais essayer de lire
quelle a été la réponse de ses abonnés? Il y aura 92 commentaires. Le premier a dit, ça fait peur. Ça fait peur. À force, c'est une réalité, comme tu dis, que Dieu nous protège tous. Merci pour ton travail. Ça, c'est la réaction d'un de ses abonnés. Une personne même qui a découvert ça, il dit, ah, mais ça fait peur. Parce que moi-même, je regarde ces films. Je la connais. Dans ces films, elle est innocente. Elle fait comme si elle est innocente. Elle n'a pas... Genre, elle ne peut pas faire du mal à une mouche. Oh, regardez ce qui est sorti de sa bouche ici. Gloire à Satan, gloire au diable. Mais que se passe-t-il réellement dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Lisons le deuxième commentaire. Comme vous le voyez, les informations sont déjà dans mon... ici. Voilà. Là, il n'y a pas vous montrer. Attendez la vidéo analyse prochaine pour voir si on pourra vous montrer ça. Plus loin, on voit un autre commentaire. On est juste redevable envers ceux qui nous ont aidés. Comprendra qui est intelligent. Que Dieu nous préserve des flammes de l'enfer. En fait, cet abonné a tout simplement dit que, bon, si elle remercie le diable, c'est pas un hasard. Si le diable l'a aidé à avancer dans son travail, forcément, elle va le remercier. Mais que Dieu nous garde, nous, qui avons Dieu dans notre vie, et que Dieu nous préserve de l'enfer. What? Mais bien sûr que oui! Est-ce même si c'est vous, mes frères et sœurs? Mais si c'est vous, quelle serait votre réponse? Bon, ok, je vous suis pour lire encore un autre commentaire. Moi, vous aussi, vous pouvez réagir dans la partie commentaire. Est-ce que c'est de la plaque? Pourquoi elle a réagi de la sorte? Franchement, j'aimerais bien savoir. Plus loin, on nous dit... Je suis premier big up à toute l'Afrique, à tous les Noirs et à tout le monde entier. Donc bon, lui, il est juste là pour saluer tout le monde. Je lis encore notre commentaire qui dit, c'est vrai ça, même si tu donnes 1 million à un vrai musulman pour dire vive le diable, il ne le fera jamais. En fait, c'est lui qui a fait la vidéo là. Qui nous a présenté cette histoire-là. Il a dit franchement, on peut pas se lever un bon matin pour dire gloire à Satan ou bien remercier Satan parce qu'on a envie de recevoir un prix. C'est pas un hasard. Et que lui-même le youtubeur qui parle, qui a fait la vidéo, il dit que lui-même, même si on lui donne 1 million de quoi là même, je lis 1 million d'euros, lui ne sera jamais prêt à dire gloire à Satan. Oui. Donc c'est pourquoi ce dernier lui pose la question de savoir. C'est pourquoi ce dernier lui pose la question de savoir. Ah ah, c'est vrai. Donc donc il dit c'est vrai ça. Même si tu donnes 1 million à un bon musulman, c'est-à-dire un musulman quoi, pour dire vive le diable, il ne le dira pas, jamais. Genre il a été de remettre en cause la foi des gens. Tu penses que... Bon, en fait, il pense que... Il y a des gens même qui sont dans la religion, qui sont soi-disant des chrétiens, même des musulmans, qui disent qu'ils sont vrais musulmans, mais vrais chrétiens. Mais en fait, eux, si on leur demande de dire gloire au diable, tout de suite, quand même de se prosterner devant le diable, pour avoir 1 million d'euros, ils seront prêts. Ah, mes frères et sœurs, tu ne sais pas qui est qui. T'as une fois de juger toi-même avant de juger quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en sais? Pour nous ici, on dit qu'un acteur connu avait dit qu'elle était possédée par des entités et qu'elle aimait la chair humaine. D'ailleurs, ses vedettes s'en vantent à la télévision et tout le monde les applaudit et les vénère comme c'est écrit dans la Bible. Et voilà, vous connaissez le reste. Ah! Il dit que aujourd'hui là, ce n'est plus caché. Il y a même beaucoup de célébrités qui disent qu'elles ont vendu les âmes au diable. Donc, il ne faudrait pas que ça nous étonne.
Et ce qui est étrange, c'est que quand ces gens-là ouvrent la bouche pour le dire, ils sont applaudis de tout le monde. Ils sont applaudis de tous. C'est parce que ce monde est vraiment un monde assez compliqué. La parole de Dieu me parle du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, un monde corrompu. En tout cas, rien n'est joli, joli sur la terre. C'est tout ce qu'on peut retenir. Plus loin, on voit encore un autre commentaire qui dit « C'est une mise en scène. Ils savent très bien de quoi elle parle. » En fait, quand cette femme-là disait cela, il y a les gens, c'est-à-dire ceux qui étaient présents là, d'autres acteurs comme elle, d'autres actrices comme elle aussi, tous ceux qui étaient présents là, ils se sont mis à rire. Genre, comme si elle était délirée, quoi. Et elle dit ici, « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est une mise en scène. Ils savent très bien de quoi elle parle. » Genre, eux, ils sont conscients que cette femme-là a dit la vérité sur sa véritable identité spirituelle. En fait, elle vient de nous révéler qui elle est spirituellement parlant au travers de son affirmation. Oui, là, elle n'a pas caché qu'elle adore le diable. Oui, elle l'a dit. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Elle n'avait pas bu, elle n'était pas ivre, on l'a pas poussée. C'est elle-même qui a remercié le diable. De toute façon, celui qui vous a aidé, forcément, vous allez le remercier. Même vous, quand vous êtes béni, vous dites quoi? Vous levez les mains vers où? Vers Dieu pour dire merci mon Dieu de m'avoir aidé. Merci de m'avoir aidé. C'est la même chose. Ah, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Je pense qu'à ce niveau, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a plus de 92 commentaires. Nous attendons aussi vos commentaires. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Le diable existe. Il est réel. Donc nous, dans tout ce que nous faisons aussi, nous devons rendre gloire à Dieu. Tu dois rendre gloire à Dieu. Si tu reconnais Dieu dans toute ta voix et que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a aidé, remercie-le. Remercie-le. Ah, elle a déjà remercié le diable. Elle ne peut plus venir en arrière pour dire « Ah, tu n'aurais pas dû dire ça !» Mais elle a déjà craché le mot. Lorsqu'elle est versée sur le sable, on ne peut plus ramasser. Mais vous inquiétez pas, mes frères et sœurs. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire une autre vidéo analyse. Et ça sera la vidéo analyse 7. Vous serez surpris de ce que vous allez voir. Franchement, vous serez étonné. Même plus étonné qu'étonné. Ça va être chaud. Sûr. Wouh! Je suis pas. Que Dieu bénisse, mes frères et sœurs. Qu'en pensez-vous? Restez dans la partie commentaire. Je vous attends. Que Dieu bénisse, mes frères et sœurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskoubon. A dessus cette vidéo, c'est tout. Abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, à dessus cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!